Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, l'étant il fait Hijra, il rentre dans une place qui s'appelle Jabal Thawr, il reste là-dedans pendant 3 jours, 3 nuits. C'est là-dedans, comme un Quraysh costé, Abu Bakr radiallahu anhu dit à lui, « Ya Rasulallah, un seul guet sur les pieds, trouve-nous. » Un seul guet sur les pieds. Pas penser les trop fond, parce qu'il faut une descente. Puis dans la côte, puis dans non rien là. Veut dire sauter, rentrer, sauter sur Otissa. Sauter, rentrer, sauter sur Otissa trou là. Il arrive là, si il était en bas, la trouve Dieu là. Avant qu'il reçoive sallallahu alayhi wa sallam, dit à lui, oh Abu Bakr, paix n'a des djimoun, excepté à la troisième avec Dieu. Avant qu'il dise ça, qui l'in fait? Connais qui l'in fait? L'in prépare ce plan Hijra pendant un an. L'in prépare ce plan-là. Calculer qui date, qui lire, tout ça pour sortir. Makka dans le sud, Madina dans le nord. Si y en a pour sortir pour le Madina, nous sortir là-haut. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sortit dans le sud de Makka. Il fait les tours comme ça, il est monté. Ce n'est pas planifié ça. Dans ce plan, il y a, reste 3 jours de Jabal Thawr. Pour qu'il y ait un peu de sortir. Rodli autour de Makka, pas trouvé. Rodli dans Makka, côté de Bekot, qui était. Dans ce plan, ça. De sa planification un an, il guette Abu Bakr radiallahu anhu, ce garçon, pour venir de nouvelles. Veut dire, dans la journée, tu écoutes partout, toi. Tu viens dire, nous qui va fait dire. De sa planification, un an, tu vis Abu Bakr radiallahu anhu, amène zot manger. De sa planification, un an, quand je peux morcer, je peux venir, prends feitam, risque de yezot. Pour ban pas quand on rentre du sable, il ne pas faire trace. Ça fait qu'il a fini souillé. Tout ça, là, il planifié avant. Ensuite, quand il arrive banal là, il dit, oh Abu Bakr, peine de Dieu, accepté à la troisième. Parce qu'il s'en a en dit aux capacités, frère. Quand on finit faire tous les efforts, ça qui ou capable de faire. Pour tirer ou de la difficulté là, de ce problème là, de ce malade là, quand la situation là vient devant vous, là, l'équerre là, vous avez gagné tranquillité avec qui était. Panique, l'équerre là, gagne tranquillité avec Allah, avec moi, l'os. Là qui me connaît ça, frère. Là qui me connaît ça. Vous les comprenez dans la vie, c'est que comme on peut assiser dans l'avion là, on est en ting, passe de turbulence là. Il ne peut pas se faire de turbulence. Il ne connaît pas de où qui est là. Et il continue à manger pour eux, il continue à faire. Il continue à jouer. Il continue à causer rien normal. Il ne connaît pas une turbulence qui est capable de faire. Parce qu'ils amènent une niel là. Qui a été tranquillité, il y a là, ça dit mon divan, il est là. Frère, qui a été turbulence ou qui a gagné de la vie. Mais seulement si sa tranquillité là, il vient là, plus grand pilote. Turbulence ou l'oxygène, tu vas saisir. Ou du bout de l'eau coussin. Qui fait? Parce que sa tranquillité qui m'a gagné là, m'a fait tout dans mon capacité. Banen vin là, Abu Bakr, calme-toi. Paye n'a des dix mounes, excepté Allah. Allah, troisième. Chers frères et sœurs, nous vivons 27 fois dans la vie. Nous tous, nous avons 24 heures. Combien de finis passés, nous connaissons. Combien restés, nous ne connaissons pas seulement. Profite de ce qui reste là. Pas penser, reste pareil, comment ça qui me passe? Pas nécessaire ça. Pas guette moi zen, pas guette moi vieux, pas guette moi monsieur, pas guette moi madame, mais non, qui garantit que nous étions là. Mais une petite chose nous capable de garantir, tant qu'il nous est là, Allah nous peut pour gagner à personne. Sa tranquillité qui nous est là. Tant que nous est là, Allah nous peut gagner à personne, frère. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, fais-nous vraiment gagner sa tranquillité, comment il n'a été d'avion là, Wallah. Fais ça l'équipe là. Vraiment, quand pétan te ban aïe, pétan ban hadith, qui peut dire nous qu'on place confiance dans toi, comment était, Wallah, fais-nous gagner sa tranquillité là, pareil. Sa tranquillité qui pourra amener nous pour augmenter nos ribadats,
même dans l'état difficile. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, un seul lui qui contient l'ibadat Allah dans un moment difficile, du coup, il y a quelqu'un qui fait hijra avec moi. Hijra. Quand nous imaginons que tu peux faire hijra là, perodi pour tuer là. Il y a un seul divin qui n'est capable d'accompagner. Qui fait Allah choisir lui? Là, si Allah qui choisit lui. Parce qu'il ne connaît pas les autres réactions, comment vous êtes. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, c'est lui qui fait ibadat. Dans un moment difficile, dans un malade là, augmente ibadat. Dans un tracas, dans un problème familial là, augmente ibadat. Imaginez qu'on fait hijra avec le prophète. La difficulté, ça oui, nous. Continue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir comme ça, dernier scénario qui est capable d'arriver, nous frères, c'est l'amour. Excepté que Allah te fait de l'amour devant nous, dans un de bon plus bon jour, dans un de bon plus bon moment, dans un de bon plus bon lire qui nous peut faire ton ibadat, afin que nous venions devant toi, quitte-toi et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fier de nous.